Vous êtes à la recherche du meilleur smartphone photo du moment? Nous vous avons comparé la plupart des modèles. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter les meilleurs, tout en répercutant dans leur ordre leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêt à découvrir celui qui permettra de capturer au mieux vos photos? Alors on y va! On essaye de mettre à jour régulièrement les noms et prix des produits qu'on cite. Vous les retrouverez dans la description, en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si un de ces smartphones vous donne envie. Top 5. iPhone 11 Pro. Celui-ci sera conseillé aux amateurs de la marque de la pomme. En effet, si vous êtes dans l'écosystème Apple et que la photo est importante pour vous, l'année 2019 vous apporte l'iPhone 11 Pro. Équipé de 3 objectifs à l'arrière, un grand angle 26 mm, un ultra grand angle 13 mm et un téléobjectif 52 mm, il offre un rendu HDR bluffant en extérieur et le Deep Fusion apporte une amélioration de piqué sur les détails de vos prises de vue. On déplorera juste la qualité vidéo de nuit et en faible condition d'éclairage, qui est un poil en dessous de certains grands noms de cette sélection. Son prix est fort élevé, ce qui lui coûtera quelques places dans ce top, mais vous avez ici un des mobiles les plus puissants avec un suivi logiciel au long terme. Ses avantages: la qualité de HDR, les performances, la qualité vidéo, et ses inconvénients: le prix et le mode nuit décevant. Top 4. Google Pixel 4. Si les flagships Google n'ont pas toujours fait mouche, la série des Pixels continue de nous impressionner. Le Pixel 4 ne fait pas défaut à la règle. Il est muni d'un processeur 8 cores extrêmement véloce, lié à une surcouche logicielle très performante. Le traitement des images est habilement calibré et leur procure une certaine qualité éthérée. Il possède deux capteurs, 12 et 16 mégapixels, avec des optiques grand angle 27 mm et un zoom 50 mm. Par contre, on regrettera l'absence d'un ultra grand angle et de son zoom un peu faible, y compris sur la version XL. En conclusion, le Pixel 4 offre une belle panoplie de traitements photo améliorés grâce aux algorithmes magiques de Google. Même si ceux-ci ne sont plus les seuls à opérer de telle façon, ils donnent une esthétique particulière et fort agréable aux photographies prises avec cet appareil. Ses avantages: le traitement photo, l'expérience Android de référence, la puissance et le mode nuit. Ses inconvénients: que 2 objectifs et le zoom un peu faible. Top 3. Samsung Galaxy Note 10. Un des grands classiques est classique pour une raison: il sait tout faire, y compris prendre de très belles photos, que vous pourrez modifier facilement à l'aide de son stylet intégré. Il possède 3 capteurs avec des optiques 12, 27 et 52 mm qui sont bien stabilisés. Il offre des clichés lumineux et riches en détails, mais le traitement photo est un peu plus classique que chez la concurrence. Il faudra s'orienter vers des apps tierces pour avoir les effets et réglages les plus poussés, qui permettront alors de pleinement profiter de la qualité de ses capteurs, quasi inégalés. Ses avantages: capteur performant, un selfie avec autofocus est bon à tout. Ses inconvénients: le traitement des photos est un peu moins poussé. Top 2. Huawei P30 Pro. La gamme P de Huawei est reconnue pour ses photos et le P30 Pro vous apportera une des meilleures qualités de prise de vue. Grâce à la compétence de la marque en la matière, on sait que l'expérience photographique sera complète et à un prix maîtrisé, tout en gardant une certaine versatilité dans d'autres utilisations. Le seul souci avec ce téléphone, c'est qu'on ne sait pas à quel point le suivi logiciel va perdurer. Huawei étant en transition pour changer de store et peut-être même d'OS. Il s'agit donc ici d'un mobile sur une plateforme dédiée à disparaître. Équipé de 3 objectifs, 16, 27 et 125 mm, plus son capteur de profondeur, il pourra s'adapter à toutes les situations et obtenir un excellent rendu. Ce qui fait sa particularité, c'est son zoom optique 5 fois, qui permet de cadrer les photos tout en gardant la définition complète du capteur. Le traitement est aussi de qualité, même s'il n'équivaut pas à celui des pixels de Google. Ses avantages: un zoom optique 5 fois, un capteur de profondeur et un autofocus sur l'ultra grand angle. Ses inconvénients: le suivi logiciel incertain et la qualité vidéo. Top 1. Xiaomi Mi Note 10. Embarquant un capteur 108 mégapixels et 4 autres capteurs, on sait déjà que l'argumentaire de la marque est orienté sur la prise de photo. Il s'équipe donc d'un grand angle 25 mm, un zoom 50 mm et un ultra grand angle 13 mm, ainsi que d'un zoom 5 fois, mais un peu moins que le P30 Pro, et d'un objectif macro dédié. Pour contenir le budget, Xiaomi a dû faire des concessions, notamment sur la puissance du processeur, qui reste tout de même très honnête. Il faudra aussi penser à prendre une app pour la photo plus complète sur le Play Store, car c'est alors que son vrai potentiel se révélera. Le constat est donc le suivant: même en faisant exemption de son prix, il est un de ceux qui offrira la prise de vue la plus versatile. Si on considère son prix en plus, ce smartphone déjà intéressant à la base est attaché à un appareil photo bourré à craquer de fonctionnalités, et il ravira les photographes en herbe comme les plus aguerris, ainsi que leur portefeuille. Ses avantages:
Le prix, 5 capteurs, un autofocus sur l'ultra large et un zoom optique 5 fois. Ses inconvénients, le software un peu moins complet et le processeur un peu moins puissant. En conclusion, nous avons donc l'iPhone 11 Pro, très cher mais compétent, le Google Pixel 4, un excellent traitement d'image, le Samsung Galaxy Note 10, bon à tout, y compris la photo, le Huawei P30 Pro, une référence en photo et en traitement, et le Xiaomi Mi Note 10, l'appareil photo équipé d'un smartphone. Voici qui conclut notre top des mobiles orientés photo, pour tous ceux qui voudraient profiter de la meilleure qualité d'image possible, toujours dans la poche. Comme toujours, si un de ces téléphones vous intéresse, leurs noms et prix sont indiqués ci-dessous et sont mis à jour régulièrement, alors pensez à checker la description. Vous voulez rester informé des meilleures sorties jeux ou matériel, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.